Voilà, c'est parti. Ladies and gentlemen. Vapeur Shop. Salut à tous et bienvenue sur ce live série numéro 8. Un petit unboxing pour aujourd'hui. Voilà, le colis il est là et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. De liker la vidéo, de la partager, de laisser un commentaire si ça vous a plu et que vous voulez me donner de la force. Moi, ça me régale. Ça me donne beaucoup d'énergie positive, tous vos petits commentaires. Et c'est toujours un plaisir d'aller les liker, y répondre. Donc, n'hésitez pas à faire juste ça et ça me régalera. Je vais attaquer tout de suite avec le unboxing. Comme d'hab, unboxer est avec moi. Alors, c'est parti. Donc celui-là, je pense qu'il sera un peu moins dur à ouvrir que le précédent, puisqu'il y a juste un bout de scotch ici. Bam! Ça, les mecs, ça c'est du lourd. Donc ça, je vais finir de l'ouvrir quand même pour vous montrer le cadre sans la protection bulle. Je vais l'installer même en direct. Chichi. Ah. Bam! Donc ça c'est fait au Posca. Si vous voulez voir ce qu'il fait, vous pouvez le suivre, il est très présent sur Instagram, JR Artiste. Voilà, vous reconnaîtrez le logo cash. Je vais l'installer là. Yeah! Il y a encore un autre truc, ah oui. Voilà, ça c'est un t-shirt que fait JR. Alors il fait plein de broderies différentes, hein. Vous pouvez faire des broderies sur mesure. Voilà, ça c'est sa collection de l'année dernière. Pareil, la qualité du t-shirt, les gars, c'est incroyable. Je crois que je vais l'essayer tout de suite, comme ça je vais. Pouah, il taille trop bien. C'est un régal. Ma femme, elle va kiffer. JCVD, les gars. Cette année, peut-être que ça ne sera pas un cornet de glace avec une boule de glace JR, vous voyez. Mais ça sera peut-être autre chose. En tout cas, franchement, au niveau de la coupe, il est top. Ça le fait grave. Bon, il ne fait pas super chaud quand même, donc je vais quand même remettre le gilet par-dessus. Au moins comme ça, quand même. Voilà, histoire qu'on voit la glace. Donc, pour pas vous laisser sur un tout petit unboxing, sur un sujet qui faisait pas forcément trop partie de la boutique, hein, mais il y a quelques trucs là que je veux vous montrer. Je vais commencer par ça. Je vais vous montrer pas mal de trucs en fin de compte dans ce live. Je voulais vous dire que ça y est, les lingettes Higer Standards sont disponibles dans la boutique par paquet de 30 ou par conditionnement de 10 pour nettoyage VapCap, verre, Vong, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est des lingettes qui sont vraiment super bien imbibées d'alcool ISO et qui ont la particularité d'avoir des petits points un peu partout sur la lingette. Okay? Ce qui fait que ça crée un effet bien désincrustant. Voilà. Et ces lingettes, par cette particularité, elles sont exceptionnelles. Elles sont vraiment, vraiment top pour nettoyer tous les accessoires. Je vous les recommande. En plus, elles seraient presque réutilisables si vous arrivez à bien les nettoyer et ensuite à les mettre dans un bocal avec de l'alcool ISO. Ça pourrait en faire des lingettes qui se réutilisent, même si c'est prévu pour de la lingette jetable. Je pense qu'elles peuvent faire quelques utilisations encore. Au cas où, il y a autre chose de chez Higer Standard. Au cas où, il y a la lingette microfibre. Donc j'en ai essayé une aujourd'hui. J'ai nettoyé simplement l'écran de l'ordinateur avec, même sans produit. C'est de la microfibre de top qualité. Vous arrivez à obtenir un écran très propre. Et il y a le format, donc vous pouvez trouver ça dans les kits maintenance, kits entretien, pardon, dans la catégorie des vaporisateurs dans la boutique. Okay? Donc ça, c'est la serviette vendue en deux parties. Et du coup, il y a le choix entre deux chiffons ou un chiffon, un seul chiffon. Voilà. Donc ça, c'est top, puisque là, on est vraiment sur du réutilisable. Il faut acheter de l'alcool ISO à côté. Mais bon, ça se trouve. Donc, les tiges de curage de chez Higer Standard aussi, parce que si dans le kit maintenance, on a 5 cure-pipes et un petit pot de graisse, ben, le petit pot de graisse, lui, il va durer
Plus d'un an, c'est sûr, voire même plus de 2 ans. Sauf que les tiges curpides depuis, même si on a essayé de les réutiliser un maximum de fois, je pense qu'au bout d'un moment, elles sont jetées. Donc voilà, vendre de la tige curpide de qualité, parce que le Higer Standard, il mise grave sur la qualité. Et du coup, elles sont assez rigides, elles sont vraiment sympas. Ça, et j'ai décidé de rentrer aussi ça, le coton-tige, avec vraiment un morceau coton au-dessus qui est vraiment sympa. Et le reste, c'est là. Hop. Donc voilà ce qui rentre dans la boutique. Alors, et voilà sur quoi on est. Donc, on a une jolie housse de transport. Peut servir pour autre chose après. Hein. Voilà, et dedans, on a un tray à LED. Voilà, c'est un truc de fou. Alors, j'ai vu qu'il y avait une prise USB. Yes, il y a un bon câble. Ah, yes. Ouais, ça déchire. Ça déchire. Regardez ça, le tray de fou. Il y a plein de couleurs dispo. Suffit d'appuyer avec le bouton là, ça déchire. Ok, on appuie 2 fois en fait pour l'éteindre et 2 fois pour l'allumer. Allez, on va laisser le trail ici. Et une version rouge, la version Skittles. Et il y a une version blanche, White Runs. Voilà les treilles du futur. Treilles LED fluorescent. Quand tu fais une soirée ou quoi, là, ça doit être. C'est un régal, ça anime le truc. Là, tu mets ça sur le comptoir, ça doit éclairer le comptoir en même temps. Donc voilà, comme je vous disais, les gars, dans les vidéos, dans les descriptions des vidéos sur YouTube, maintenant, vous pourrez trouver le lien de mon Patreon. Donc Patreon, c'est un site de cagnotte participative que je vais essayer de mettre en place petit à petit pour pouvoir présenter vraiment un max de vidéos et pour pouvoir surtout travailler sur des vidéos avec des effets sympas et tout, vraiment m'améliorer, mais pour aller beaucoup plus vite. Donc ben, je pense que le petit Patreon, il va être un minimum de rigueur, et voilà, l'organisation, c'est plus la même, et donc je suis obligé d'essayer de trouver des façons de fonctionner. Voilà, donc ben, comme dit au début de la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, laisser un commentaire dans la vidéo si vous avez des questions, ou juste pour me dire ouais, c'est top Mike, ça me régale, ça me donne beaucoup de bonne énergie, et je viendrai vous répondre, vous envoyer des cœurs et de la force aussi en retour, avec grand plaisir. Voilà. Donc c'est tout pour ce live série aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. Voilà, gros big up à vous. Merci d'être passé, ça fait grave plaisir, et prenez soin de vous. Peace.